Déclaration de député. Je donne la parole au député d'Essex. Merci, Monsieur le Président. Le 11 mars, les forces de l'ordre de La Salle et de Windsor ont joint leur force ensemble, se sont joints ensemble afin de créer une unité spéciale afin d'arrêter ceux qui sont à risque de compromettre leurs conditions de cautionnement. Durant les premières semaines d'opération, les forces de l'ordre ont arrêté 8 personnes et ont émis 4 autres mandats. Ce sont des gens qui ont déjà été trouvés coupables pour des infractions comme pour le meurtre, harcèlement sexuel et d'autres types. Cela a été pu être créé grâce à une subvention de ce gouvernement sous notre direction, notre programme et notre attention à cet enjeu. Le chef de cette unité a dit qu'il est reconnaissant de nos partenaires en matière de financement par rapport à cette initiative importante. Je suis également reconnaissant envers nos forces de l'ordre afin d'emprisonner ces contrevenants et je remercie nos forces de l'ordre de ma circonscription. Merci. Déclaration de député, député de Nocobelt. Le mois d'avril est le mois de sensibilisation des dons d'organes par rapport aux dons d'organes essentiels. Et selon le Trillium, la Fondation Trillium, 80 % des Ontariens veulent être des donneurs, mais seulement 20 % ont déjà été inscrits. Actuellement, il y a des milliers d'Ontariens et d'Ontariennes qui attendent de pouvoir accéder à ces organes. Et malheureusement, une personne sur trois décède chaque jour. Trois ans de cela, en Nouvelle-Écosse, il y a un système qui a été mis en œuvre. Et après la première année, il y a eu une augmentation de 40 % d'enregistrement et le nombre continue à s'élever. Nous sommes prêts pour cette initiative. J'ai déjà déposé une motion 6 fois et il n'y a aucune opposition qui a déjà fait ça au passé. Alors, jusqu'à ce que cela soit mise en œuvre, je voudrais remercier tous ceux qui se sont inscrits à la liste des donneurs. Et également, dans ma circonscription, il y a eu des enregistrements de 50 % hier. C'était la journée du port de la chemise verte et il y a eu des incitatifs pour que des milliers d'Ontariens s'enregistrent ou s'inscrivent dans cette liste après une collision qui s'est produite dans ma circonscription. Alors, nous sommes reconnaissants aux donneurs et rappelez-vous, Monsieur le Président, soyez un donneur. Déclaration de député, député de Kitchener Sud, Esplan. Merci. Il faut parler d'autres enjeux en tant que politicien ou politicienne, où des fois nous faisons face à beaucoup de stress ou d'anxiété, où nous devons participer à plusieurs événements communautaires. Et lorsqu'on retrouve des membres d'une communauté en tant que politicien, politicienne qui nous accueille et qui nous appuie, c'est une chose remarquable. J'ai certains invités qui sont ici, provenant d'une association. Je les ai rencontrés l'année dernière et j'en ai déjà parlé à nombreuses reprises. Mais je portais un vêtement que je n'avais pas bien arrangé sur moi et donc il y a une personne qui est venue l'arranger et cela m'a vraiment permis de tisser plus de liens à ces collectivités. Et depuis lors, j'ai participé à d'autres événements similaires et je peux déclarer que je n'ai jamais rencontré des gens aussi qui sont aussi fiers de leur participation canadienne.
que ce soit à Algonquin Park, à Canada, Wonderland, ils sont fiers de participer aux activités culturelles de ce pays. Et plus tard, ça sera un plaisir de les accueillir en chambre. Alors, je remercie cette association de la Grande Rivière. Déclaration de député, député de Waterloo. Merci. Caitlin était une jeune femme prospère qui avait des rêves de travailler avec des enfants ayant des besoins spéciaux. Donc, nous, en raison de santé mentale, de troubles de santé mentale, elle a perdu sa vie et elle est tombée dans les mailles du filet. Et ses membres de sa famille sont ici aujourd'hui afin de sensibiliser cela. Le système de santé mentale ne les a pas appuyés suffisamment et malheureusement, 4000 personnes sont décédées au Canada en raison de suicides. Cet après-midi, je vais déposer une pétition ayant reçu des milliers de signatures afin de s'accentuer sur des traitements axé sur les soins, sur des preuves scientifiques. Et dans notre centre à Waterloo, il y a des appuis pour ce système qui doit être responsable dans tous les niveaux d'intervention. Et le fait d'appuyer cette pétition est la bonne étape vers la bonne voie. Et à toutes les Caitlin qui sont en Ontario, il y a eu beaucoup trop de failles dans notre système et aux parents de Caitlin. Qui avait un sourire rayonnant. J'aimerais vous dire que nous t'aimons et nous ne pouvons pas permettre à d'autres gens de tomber dans ces mêmes mailles du filet. Thank you. Member statements. The member for Leeds Grenville, Thousand Islands, Rideau Lake. Sir Speaker, yesterday the province of Ontario recognized the significance of organ donations l'importance and the impact of the organes et de ce et de son impact. Cette collision a eu un impact majeur sur notre province également. 16 personnes sur 29 ont perdu leur vie et beaucoup ont subi des blessures graves. Logan est décédé en 2018, mais en dépit de cette tragédie, sa famille a décidé de faire des dons d'organes et de sauver 6 vies. Ce qui démontre l'importance du don d'organes. Alors, ce que le 7 avril continue à nous rappeler de souvenirs difficiles et d'événements difficiles, cela a permis de créer la journée du port du maillot vert et de l'impact des dons d'organes. Tout comme la famille de Logan, tous ceux qui sont confortables peuvent s'enregistrer pour donner leurs organes. Un jeune dans ma circonscription, dans une école secondaire, nous a permis de créer le projet de loi 112 qui a été parrainé par l'honorable Michael Parsma afin de promouvoir le don d'organes dans la province. Si vous ou quelqu'un que vous connaissez veut s'enregistrer en ligne ou à Service Ontario afin de devenir un donateur ou pour vérifier si vous êtes déjà inscrit à cette liste. Si vous êtes admissible à la carte de santé, à partir de l'âge de 16 ans, vous pouvez vous inscrire à cette liste. Donc, je remercie le ministre pour cette promotion par le biais de Service Ontario et j'encourage tous les députés à devenir des donneurs ce mois d'avril. Merci. Déclaration de député, député d'Ottawa Centre. Merci. Nous avons perdu un héros la semaine dernière et Phyllis Dallas était âgée de 100 ans.
est un de haute taille. Elle a grandi en Grèce et 3 ans de cela, elle a inspiré un consentement unanime dans la chambre. J'avais travaillé avec Maria, sa fille, pendant 2 ans et j'ai appris comment ces soignants, ces personnels soignants font face à plusieurs défis en matière de plaintes, dans ces foyers de soins de longue durée. En 2018, après qu'elle ait partagé ses préoccupations en ce qui a trait aux soins de sa mère, elle a été séparée pendant 315 jours. Mais cette action de cruauté a incité un changement et aujourd'hui, nous célébrons sa vie et le 4 mars, le projet de loi, la motion plutôt 124 a été adoptée. J'ai rencontré Volup lorsqu'elle était âgée de 99 ans. Je l'ai saluée, on a dansé à la musique grecque. Et c'était une journée remarquable pour une femme remarquable. Nous nous rappelons toujours de l'importance des personnes aînées et qu'en tant parlementaire, nous devons nous assurer que les personnes âgées peuvent accéder aux soins là et quand ils en ont besoin. Que Dieu vous bénisse. Merci. Thank you very much. Merci beaucoup. Déclaration de député. The member for Brampton East. Député de Brampton Est. Merci, Monsieur le Président. Le mois d'avril marque le 10e anniversaire de la communauté sikh en Ontario. Nous avons l'une des communautés les plus larges ayant plus de 200 000 personnes d'origine sikh en Ontario. Nous avons beaucoup de croyances et il faut partager tout ce que nous avons et aider ceux qui ont des besoins, qui ont besoin d'aide. Et nous avons beaucoup de traditions, des chants et de toujours déclarer la vérité sans crainte. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'événements à Brampton et également des concerts, des ateliers et j'encourage à tout le monde d'y participer. Il y aura une célébration à Queen's Park ici. Aujourd'hui, je vous encourage à y participer. Le mois d'avril est important pour la communauté sikh pour célébrer Vaisakhi, qui est un festival important pour nous. Cette journée est célébrée pour commémorer des actes d'aide à la communauté. Et donc, il y aura des parades provenant de la place d'exhibition. Et je veux souhaiter un joyeux mois d'avril à la communauté sikh en Ontario. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci. Déclaration de député. Député d'Algoma, Manitoulin. Merci. Nous provenons d'une semaine de circonscription. C'est un plaisir de voir tout le monde ici, tout comme d'autres députés. Il y a beaucoup d'enjeux dans ma circonscription en matière de logement, de propriétaires, de locataires, en matière de couverture et d'assurance. Il y a beaucoup d'enjeux et de problématiques au niveau municipal. Les fonds de subvention pour les déplacements dans le Nord, des lacunes en financement dans les communautés francophones, le maintien des autoroutes et beaucoup d'autres enjeux. Je veux remercier deux commettants qui ont parlé d'escroqueries qui sont en cours, qui ciblent les personnes aînées. Il y a eu beaucoup de pannes d'électricité, de tempêtes dans le Nord et une association a imposé des frais additionnels aux résidents et je suis fière de déclarer que l'association Hydro-Électricité est au courant de cette escroquerie et il y a d'autres problématiques d'escroquerie qui ciblent beaucoup de personnes âgées. Veuillez contacter vos membres de famille et assurez-vous que vous entretenez des conversations utiles parce que vous pouvez être vulnérable. Merci beaucoup. Déclaration de député. Député d'Oxford, merci. La fin de semaine dernière, j'ai eu le plaisir à un festival des pompiers pour des crêpes pour le petit déjeuner.
Ils ont levé des fonds pour rénover l'espace, pour offrir plus de programmes aux jeunes dans la collectivité. C'est une très bonne occasion pour appuyer une très bonne organisation à Oshawa et de remercier les pompiers bénévoles pour leur service. Cet événement a été une bonne expérience, non seulement pour les pompiers, mais aussi pour le sirop d'érable, avec un commanditaire extraordinaire tel que Hippatree. On a pu profiter du sirop d'érable d'Oxford. C'est très bien de voir une autre occasion de saisir cette possibilité de manger et de consommer du sirop d'érable local. Nous sommes très fiers de continuer de produire du sirop d'érable délicieux et que le monde puisse goûter à Oxford. On a permis aussi de mettre en vigueur et en valeur tout ce qu'on produit dans la région locale et bien sûr le sirop d'érable en particulier. Je voudrais remercier toutes les personnes qui ont participé à cet événement et tous ceux qui sont venus pour appuyer cet événement. J'ai déjà hâte à l'année prochaine. Thank you very much. Merci, déclaration de député. Député d'Etobicoke Lakeshore, merci. C'est très bien d'être de retour. Vous savez que des sourires on a pu les voir à Etobicoke Lakeshore, surtout avec cette fin de semaine de Pâques. Et au centre de Mimico, des artisans locaux ont vendu beaucoup de leurs produits locaux. De voir des artisans les plus jeunes, ceux qui ont plus d'expérience, je voudrais mettre l'accent sur l'importance des arts et des personnes talentueuses de Lakeshore et Etobicoke. On est tous chanceux de voir ces œuvres d'art un peu partout dans la collectivité, des statues, des structures, des sculptures dans la collectivité. On est tellement fiers de cette collectivité du sud d'Etobicoke Lakeshore. Il y a tellement de personnes qui vivent dans la collectivité et je voudrais mettre l'accent sur certaines des personnes. Chaque année, des jeunes de 12 à 18 ans sont invités à exhiber leurs arts, leurs œuvres d'art dans l'Assemblée législative. Et je suis sûr que plusieurs d'entre vous ont pu admirer ces œuvres d'art dans les couloirs. Sophia Levanovich, entre autres, a pu exhiber son œuvre d'art. Merci d'avoir décoré les couloirs de Queen's Park avec vos talents. Grâce aux efforts du ministère et leurs 60 millions de dollars de budget pour faire la promotion de ces œuvres d'art, on peut continuer de voir ces œuvres d'art exhibées un peu partout dans la collectivité. Merci de continuer d'appuyer les œuvres et les artistes. Cela conclut la période des déclarations de députés de ce matin.